Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 du challenge Les Naufragés. Je suis très contente de retrouver Amandine et Jack sur leur petite île. On avait passé la journée avec eux, enfin leur première journée ensemble dans l'épisode précédent et malheureusement tout ne s'était pas super bien passé puisque nous avons eu quelques petits problèmes de feu. Du coup, aujourd'hui nous allons essayer de nous en sortir un peu mieux. On va faire un régime légumes et fruits secs. Fini le feu de camp, on va essayer de gérer au mieux pour éviter tout incendie. Je pense qu'on va miser un maximum sur la pêche pour qu'on arrive quand même à leur construire un minimum 4 murs et un toit pour qu'ils soient quand même abrités pendant le froid et les intempéries. Ça serait quand même vachement sympa. Donc on va tout de suite s'occuper de mettre Jack en pleine action. Jack qui apparemment se porte à peu près bien. On va voir, ah bah non, on n'a rien à récolter, donc Jack, c'est parti mon kiki, va à la pêche. Par contre, ma pauvre Amandine, elle est vraiment pas très très bien, besoin d'aller aux toilettes, besoin de manger, besoin de dormir. Donc tant qu'elle ne court pas aux toilettes, on va la laisser se reposer un petit peu. Bon, Jack est en train de pêcher, c'est pas une grande réussite, mais par contre, regardez le lever de soleil, c'est superbe. Ah, j'ai juste un petit problème aussi. C'est que du coup, vu que je suis en automne, je suis un peu dégoûtée parce que la plage avec les palmiers verts, c'est pas trop ça là. Du coup, toutes mes plantes sont en train de virer au marron. Et j'ai un peu peur que cette plage île sauvage ne ressemble plus à rien arrivée en hiver. Alors, je sais pas trop quoi faire parce que du coup, je peux pas trop passer les saisons non plus. Et maintenant que j'ai commencé ma partie en automne, du coup, je peux pas revenir en arrière, je ne pense pas. Donc voilà, je suis un peu mitigée. J'espère que ça vous gêne pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Bon, Jack, tu me remontes ce truc le dernier là, parce que ah ben voilà, c'est parfait. Arrête ça. Et vu que t'es pas très doué pour la pêche, je dirais que tu pourrais éventuellement tout récolter. Au moins, ça sera de l'argent assez rapidement gagné. On a déjà 1700 de fonds, voire 1800. On a quelques poissons que tu m'as pêchés. Donc on va vendre tout ça et puis après on verra si on commence pas à faire une petite construction. Oula, bien que... Non, vas-y vite, ah, va où? Voir ce qui se passe. Mais non, on ne regarde pas ce qui se passe, va aux toilettes. Allez, vas-y Amandine, aux toilettes. Ensuite tu devrais essayer de manger ta pomme. Et puis je dirais qu'après pour le reste ça va à peu près bien. Hein. Ok, t'as mangé ta pomme, je dirais vise un peu aussi de manger un oignon parce que du coup tu vas rien récolter et t'auras rien d'autre. Ensuite tu viendras voir Jack, pas pour lui dire bonjour mais plutôt pour l'aider au niveau de l'entretien du jardin. Et comme ça Jack lui va manger une petite pomme et ensuite retourner pêcher. Alors voilà, pendant qu'il travaille, moi je vais vendre ça, ensuite celui-ci. Ok, alors 2555 de fonds, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors, pour le moment, je voulais rester sur la même base qu'on a en forme de maison. C'est vrai que je m'imagine bien faire une maison en hauteur, mais pour le moment, on va dire que ils font déjà quelque chose à terre. C'est quand même plus simple pour commencer. Voilà, c'est à peu près la forme que je veux lui donner. Donc, par contre, mon petit arbre qui est là rentre un peu dans la maison. On va essayer de le décaler légèrement. Voilà, ça ira quand même un peu mieux. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire, déjà bouger ça là. Ensuite, je vais juste, hop, comme ça, le mettre par ici. Le monter, et normalement si je le mets par là, on devrait être bon. On va essayer comme ça, je remets mon mur, normalement on est à peu près bon, j'espère. J'espère, et donc ça, on va faire hop, par là, et on va le placer là. Qui en soi devrait juste faire en fait office de, hop là, d'entrée on va dire. Alors, si les choses ne rentrent pas trop, ça devrait le faire. On va juste toi te ressortir par là. La douche, on va bouger de toute manière. Et voilà. On va quand même, pour voir ce que j'essaye de faire, rajouter tout de suite le bois. Alors je crois que le mieux, ça serait de partir sur un truc comme... Ah, c'est un peu foncé. Un truc comme ça. Ouais. Donc on met ça partout. Hop là. Ça c'est magique.
À l'intérieur aussi, on va pas réfléchir. Et pour le bois du sol, on va rester un peu sur le même genre. Enfin, faudrait pas trop que ça soit... Bon, on va faire ça pour le moment. Il est dans quel sens? Dans ce sens-là, c'est parfait. On va mettre tout ça là-dedans et on verra quand il fera un tout petit peu plus jour. Et pour qu'il fasse plus jour, eh ben déjà, on va mettre une ouverture. Alors, bien sûr, vu que c'est une cabane, j'ai pas vraiment envie de mettre des vraies portes. Je me verrais plus avec du truc, du pack jungle. Voilà, comme ça. Ah oui, alors ça va pas à chaque fois. Bon, ah ben voilà. Lui, on va le mettre là. Ça sera pas une porte, ça sera une fenêtre. C'est pas grave. Par contre, pour la couleur, ouais, ça c'est pas mal. On va faire ça. Du coup, j'ai pas d'ouverture comme je voulais. On va peut-être aller là-dessus. Bon, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais... Alors ça, j'aime bien. Je trouve que ça va être pas mal. On va vraiment le laisser ici. Comme ça, en petite table. C'est super chouette. Ensuite, au niveau de l'entrée, tiens, toi, tu vas aller par là. Toi, par contre, je te verrai bien te mettre là, juste pour casser légèrement. Comme ça. Ensuite, ça, j'ai pas trop d'idées. Donc, on va le placer dans l'inventaire parce que nous ne pouvons pas vendre les objets. Donc, pour le moment, il les met en réserve. Hop, le petit toilette, il va aller là. Je dirais que cette cloison, pour le moment, on peut la faire sauter. Et on va essayer de... Comment on pourrait faire ? Pas comme ça. Alors, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. On va faire des ouvertures pour les fenêtres. Donc en ouverture de fenêtre, je voudrais des trucs comme ça. Alors bon, pour le moment, ils vont pas avoir fait de volet. Hein. On va faire vraiment le plus simple. On va leur mettre une petite fenêtre ici et une autre là. Bon, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage en fait que les fenêtres soient si petites. Hein. Je suis un peu déçue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Ça, on va essayer de le mettre plutôt par là. Ça, on va s'en servir comme tête de lit ici. Ça, pour le moment, hop. Ça, là. Voilà, le lit ici. Bon, ces rideaux-là, j'ai envie de l'enlever. On va le placer dans l'inventaire. J'ai envie de remettre une ouverture comme l'autre. On va essayer. On en a combien? 929. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas ça comme ça? Et du coup, pour le moment, on va le laisser ça là. Ça, est-ce que je peux... on va tout mettre de l'autre côté plutôt. Le deuxième ici. Et là, j'aimerais bien mettre nos toilettes ici. Ok. Alors, je sais pas si elle peut y aller. Hein. Enfin, s'ils peuvent y aller, ça, j'en ai aucune idée. Ensuite, ça, on va déplacer la petite colonne par là. Ou alors, attendez, parce que j'ai des trucs au-dessus aussi. Et oui, j'ai des trucs. Pour le moment, ce qu'on va faire, on va les poser au sol. Voilà. Parce que forcément, ils sont en chantier. Donc, on va poser ça là. On va prendre ça. On va le poser là. Ça, c'est quand même un peu gros. On va pas le vendre. Je peux pas le mettre ailleurs que le vendre. Je peux pas le mettre dans mon inventaire. Ça coûte combien? 60. Écoutez, je vais le vendre et je vais penser à retirer les 60. Voilà, ils ont tout sorti ce qu'il y avait à l'intérieur sur le toit. Ils ont tout nettoyé le toit. Donc maintenant, ils vont pouvoir placer un toit. Et j'aurais bien placé un toit assez simple. On va réessayer avec une autre forme de toit que je ne maîtrise, mais alors pas du tout, du tout. Et je crois que ça se voit que je ne maîtrise pas. Bon, là, ça rentre à peu près bien. Ça colle bien au niveau de la forme avant de ma maison. Si je mets ça, je trouve que ça passe pas trop mal. Par contre, le seul truc... C'est que là, forcément, ça dépasse. Hein. C'est pas très, très logique. Mais on va dire qu'avec un autre toit, je ne peux pas. Alors, ce qu'on va faire, on va finir par mettre, en fait, un contour. Déjà, ça va fignoler le truc. Comme ça, voilà. Déjà, vu de devant, ça choque moins.
J'aurais peut-être pu le mettre plus petit. Hein. Bon, on va dire que ça va être comme ça. Et derrière, ce qu'on va faire, on va peut-être juste prendre une colonne. Ah, mais attendez. Justement, j'ai ces trucs qui dépassent de partout, là. Voilà, toi, tu vas venir te poser juste là. Alors ça, je croyais que j'avais tout enlevé, mais apparemment, non. Donc, il va là. Il y en a un autre qui se trouve ici. Alors ça, c'est des trucs du mode débugage. Et vu qu'ils sont là, autant les utiliser. On va mettre la douche, bah justement, à l'abri derrière. Tranquillement, ils peuvent prendre leur petite douche. Et aussi à l'abri, éventuellement, je pense. Voilà. Ils pourront faire leur petite sculpture si un jour ils en font. J'ai encore un tapis qui dépasse. Il faut absolument que je prenne une poubelle. Alors bien sûr, la seule poubelle qui peut faire vachement bien, ça va être celle-ci. Voilà, on va la coller, je dirais, par là, elle serait bien. Si tout fonctionne bien comme d'habitude, on n'est jamais sûr de rien. On va mettre ça là, le petit caillou là. Ici, le banc. Le coffre juste ici. J'ai plutôt envie de mettre ma colonne là, que ça habille un minimum. Voilà. Et bah, pour le moment, je pense qu'on est plutôt pas mal. Éventuellement, est-ce que ça ferait pas... Si, ça ferait peut-être mieux. Voilà, on va mettre ça comme ça. Du coup, on peut même décaler ça là. Ça là. Et éventuellement, si on a envie, on va peut-être pouvoir rajouter la douche aussi à l'intérieur. La poubelle, je vais plutôt la placer là. Bon, alors voilà ce que ça donne. On monte. Voici notre toit et voici notre cabane. Donc, la première étape, je dirais, c'est peut-être... Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens faire quoi, lui? Ah, ok. Ils se font un câlin. D'accord. Fini le câlin. Toi, par contre, t'as décidé d'arrêter de pêcher. Bah, allez découvrir votre cabane. Alors, venez ici et venez bah, déjà ici. Allez ici. Si je mets en demi-mur, ça me fait quoi? Ah, bah, ça va. Par exemple, Amandine, tu vas tester le lit, tu vas dormir. Pendant que toi, Jack, tu vas t'asseoir ici. S'asseoir. Ok, on peut s'asseoir. Génial. Amandine, est-ce qu'on peut dormir? Oui, c'est super, on peut dormir, d'accord. Qui a envie d'aller aux toilettes? Bon, Jack, écoute, je pense que tu as envie d'aller aux toilettes. Utiliser. Et là, il va me dire que ça lui pose un problème parce que Amandine est juste à côté. Ne me dis pas ça. C'est fou ça. Ils sont pas embarrassés là, je comprends pas. Ou alors il est embarrassé mais il le dit pas. Non, il est pas embarrassé. Bon bah écoutez, c'est génial. Est-ce que tu peux prendre une douche? Nous allons tester, hein, après tout. D'accord, donc déjà il passe de l'autre côté. Pourquoi? Je ne sais pas. Bah, éventuellement, c'est une façon de voir les choses. À partir du moment où tu peux rentrer par là, tu aurais pu passer de l'autre côté aussi. Hein. D'accord. Bon, alors, il peut prendre une douche. Après, est-ce qu'il peut aller ici? D'accord. Donc, si on n'oublie pas, j'ai 60 à dépenser. Donc, on va fabriquer... Eh ben, on va commencer par le bloc de couteau. Ça fait 5. Oula, il va falloir que je pense qu'il reste 55 à enlever. Regardez comment c'est bien. En fait, on est bien. Ah, hein. Oh, il y a un truc là. Ah bah, je sais pas si ça fait partie des objets. Bon, en même temps, il est super bien placé. Je crois que c'était deux objets qu'il y avait sur Terre. Donc, ça voudrait dire que vu que j'ai trouvé notre ami Jaco là, du coup, bah, j'ai trouvé les deux objets. Bon, je sais plus ce que je disais. Je crois que je disais ma cocotte, c'est bien. Mais par contre, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te lever et tu vas tenter de jeter ça. Donc, elle sort très bien. Et elle aussi, elle veut passer par là. Oui, effectivement, il doit y avoir un truc qui fait que de toute manière, ils ne peuvent pas passer ici, je crois. Mais bon, en même temps, c'est assez bizarre. Ah non, elle est partie contempler la chose. Arrête de contempler la chose. En même temps, il passe à l'intérieur, sérieux. Ok, elle peut.
Oh, elle va jeter où? Elle va jeter où? D'accord! Pardon, mais elle était venue chercher une autre assiette. Ah oui, d'accord, elle était consciencieuse, c'est bien. Bon, retourne là-bas, dépêche-toi, parce qu'à cette allure-là, tu auras passé une journée juste pour aller chercher deux assiettes. Ok, et la poubelle est-elle? Oui, parfait. Alors ça, c'est super. Donc toi, Jack, tu fais quoi? Tu t'es fait mal au doigt? Oh, pauvre petit chat, j'ai envie de te dire. Alors, ensuite, nous allons fabriquer une sculpture de cheval. Décidément. Bon, ils veulent absolument faire le tour par là. Oh, après tout, ça leur fait un petit détour, ça ne va pas les fatiguer. Bah, écoutez, je suis très contente déjà qu'on ait fait ça. Je trouve qu'au moins, ça change un petit peu d'environnement. Et c'est très plaisant. Qu'est-ce qui nous reste à débloquer encore? Il nous resterait, je crois... En fait, je sais pas, donc je vais plutôt regarder, ça sera mieux que de dire des bêtises. Ok, c'est quand même vachement plus simple quand on les a sous les yeux. Donc ça, c'est la douche qu'on a débloquée. Ici, on a la baignoire, évier, lavabo et WC. Donc je dirais que pour le moment, baignoire, on va voir si on arrive à en construire une. Toi, tu es en train de construire, c'est très bien. Ensuite, et ici, donc ça, c'est micro-ondes, cafetière. Ouais, c'est pas le premier truc qu'on devrait... Ah tiens, de la lumière. Ah, j'avais même pas pensé parce que j'ai failli en mettre. Mais en fait, non. Enfin, moi, je voulais mettre des bougies en même temps. Une gazinière et un frigo. Et c'est là où je me dis qu'en fait, ça, c'est intéressant et ça, c'est intéressant. Et ensuite, ici, alors là, c'est Hi-Fi, ordinateur et TV. Bon, pas notre priorité. Oh, un petit aparté, ça. C'est un truc de fou. En même temps que je regardais sur mon téléphone, en fait, je viens de m'apercevoir que la constructrice de la fameuse place de Windenburg que je vous ai montrée dans le Decade vient de me répondre à ma vidéo. Oh, ça me fait trop bizarre. Oui, parce qu'en fait, c'est une Française. Je ne sais pas si je vous l'avais précisé ou pas. Emlis. Et franchement, ça me fait trop bizarre. Bon, je suis impatiente d'aller voir ce qu'elle m'a marqué. Mais voilà, petit truc. Truc à rien à voir, excusez-moi. Je suis désolée. Mais vous voyez, hein, comme quoi, moi, il m'en faut peu. Hop, je suis toute contente. Hein, parce que je ne sais même pas comment elle a fait pour voir, en fait, que j'avais mis ça à place. Je sais pas. Bon, alors, mon petit pépère, tu as faim. Oh là là, j'aimerais bien tenter le barbecue. Attendez, je vous écoute. Allez, je suis sûre que vous êtes en train de me dire « Non, ne tente pas le barbecue. » Bon, si je tente pas le barbecue, du coup, on va manger des carottes. Hein. Ok, alors il m'a fait un petit bloc de couteau, un bloc de cheval. Donc, on va fabriquer... Ah, on peut fabriquer un meuble. Un tabouret. Oui, tiens, fabrique-nous un tabouret. Je vais poser ma petite sculpture. Oh, regardez. Ma pépette a fait dodo. Est-ce qu'on peut poser ça par là? Oh, c'est dommage que ça monte pas. J'aurais bien aimé que ça monte là-dessus. Et oui, c'est pas que je veuille faire une étagère, mais c'est un peu le principe. Hein. Donc, on va le monter, hein, écoutez. Hop, à chaque fois, il faut que j'arrête avec mes hop, c'est infernal. Hop, hop, voilà. À la fin, écoutez, vous allez dormir la nuit. Ben ouais, mais c'est vrai qu'ils peuvent pas dormir ensemble. C'est ça qui est un peu fatigant, hein. J'aimerais vraiment qu'ils puissent se griller un truc et discuter ensemble. Écoute, laisse le feu, on va voir s'ils s'habituent. Peut-être que c'est juste une question d'habitude. T'as mangé ta carotte, mange une autre carotte. Mange encore une autre carotte et tu vas venir quand même pêcher un petit peu. Allez pêcher. Toi, t'es en train de me finir ton tabouret. Alors, je prie juste pour que ce soit un tabouret qui ressemble au tabouret du mode Debug et pas un tabouret avec des pieds en alu et une housse en plastique. Ça m'arrangerait grandement. Oui, mais je t'aime. Mais je t'aime carrément. Oh, ça, c'est parfait. Alors, peut-être que tu peux me fabriquer encore un truc bien nul. On va dire un pot de fleurs. Voilà, fais-moi un truc bien nul. Hein. Et du coup, c'est super cool. Nous avons le fameux tabouret tout moche. Bon, je vais le mettre loin du feu, hein, parce qu'avec lui, il est dangereux. On va le mettre par là. Voilà. Là, tout à fait. On ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est là. Voilà. Bon, cette maison n'est-elle pas
trop mimi. Oh, on dirait un beau petit champignon, franchement. Ma fenêtre qui est complètement pas calée, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais bon, c'est pas grave. En même temps, si ça avait été parfait, bah, ça serait pas parfait. Alors, ma petite Amandine est en train de pêcher et pour le moment, le feu a l'air de se contenir. Ce serait quand même bien de pouvoir juste se poser au coin du feu en train de manger leur petit poisson grillé. Ça serait quand même super sympa. Et c'est vrai que si c'est pour que ça bug encore, hein, c'est un peu relou. Bon, du coup, lui, il est parti se coucher, il m'a même pas prévenu d'ailleurs. Il est parti se coucher et je sais même pas s'il m'a construit. Qu'est-ce qu'il m'a construit alors? Son truc, là, la jardinière, elle était comment? Bah, je pense bien. Oh, regardez la lune derrière, c'est trop marrant, elle est toute rouge. Enfin, c'est les nuages qui sont tout rouges. Ok, alors j'ai attendu patiemment qu'elle me pêche un autre truc, mais en fait, elle n'a rien pêché. Donc, ce qu'on va faire, tu vas manger... Bah tiens, t'as une pomme, mange ta pomme. Ensuite, tu vas aller aux toilettes. Oui, je sais que tu as envie de... Va donc aux toilettes. C'est pas trop bien, quand même. Ça fait très... Bon, je voulais la coucher dans le lit, mais monsieur a décidé de me piquer la place. Super. Donc, bah du coup, tu vas aller faire une sieste ici. Lui, comment il va? Alors, dormez un petit peu. Toi, t'enchaînes les siestes et on va les retrouver demain matin. Ça sera plus simple. Bon, il décide enfin de se lever et il va aux toilettes. Je trouve quand même que c'est assez sympa cette cloison qui cache rien finalement, mais dans laquelle on se sent totalement abrité. Je trouve ça trop bien. On va allumer et vous savez quoi? J'ai envie de le tenter. Ouais, j'ai envie de le tenter. Voilà, j'ai envie. Donc toi aussi, tu vas te lever et tu vas venir faire griller un poisson grillé. Et au pire, qu'est-ce qu'il fait? Oh, regardez ce qu'il a trouvé. Mais non, mais alors t'es mignon, mais par contre j'aurais préféré que tu viennes griller ton poisson. Mais en fait il a grillé. Eh ben oui, il a grillé un truc dans les herbes. C'est une pâte à modeler, enfin une truc d'argile là. Ok, donc ça doit être le deuxième élément en fait qui était caché. Donc ce n'était pas l'espèce de coccinelle. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Et le poisson, bah tu l'as plus. Génial. Bah tu sais quoi, hein? T'as qu'à manger une carotte. Voilà, toi tu manges pas de poisson, tu manges une carotte. En même temps, tu parles avec mademoiselle, tu vas lui donner des astuces en réparation. Bon, il nous manque un petit truc indispensable. Voilà, ok. S'asseoir et discuter ici. Mais non, mais pourquoi? Je l'ai mis à l'envers, c'est ça? Bah non, pourtant. Toi, assis-toi. Oh mais non, mais franchement, vous êtes... Bon, bah tant pis. Voilà, tant pis, hein. Ils sont dans ce sens-là. J'aimerais bien, en fait, qu'ils décident à se draguer sans que j'intervienne. Mais je sais pas si à un moment donné, ça peut arriver. L'humour, ça marche toujours un petit peu, quand même. Il est toujours traumatisé par le terrain, mais en fait, il n'y a pas vraiment de tremblement de terre. Alors, je sais pas pourquoi il est traumatisé. Ok, c'est parfait. Ils dansent ensemble. Ils sont trop mignons. Ils vont tous les deux bien, en fait, juste le poisson. Bah, écoutez, je crois que mademoiselle, elle va déjà aller tout récolter. Après, tu vas tout arroser. Et ensuite, tu pourras peut-être aller aux toilettes et prendre ta douche. On va surveiller quand même ce que fait Jack, hein, parce que Jack, il y a des fois, si on ne surveille pas bien monsieur, eh ben, il a vite fait de faire des bêtises. Alors, t'en es où, Jack? Quoi, c'est tout? Tu m'as fait deux perches. Ça aurait été bien aussi que quand il pêche, en fait, il pêche autre chose que des pommes. Voilà. Parce que c'est bien de pêcher des pommes. Et ça serait bien aussi, par exemple, de pêcher une poire, moi, je sais pas. En plus, le poirier, non mais... Eh hey, mais du coup, on n'a pas le droit de sortir de notre terrain. Ah ouais, mais je pense quand même, au pire, on peut aller là. En plus, ils y ont déjà été. Oh, mais oui, hey, allez, tout récolter les poires. Viens vite. Alors j'ai envie de dire, on va peut-être planter nos poires. Allez ma chérie. Oh, mais c'est que ça avance un petit peu. C'est pas la folie, mais quand même, déjà, ça avance un petit peu.
Par contre, ma chérie, t'es tout à fait mignonne. Mais alors, je sais pas où est-ce que tu m'as foutu toutes mes poires. Ok, c'est super triste, mais alors j'ai presque pas retrouvé mes poires. Ok, elle est plantée. Elle est coincée à cause du poirier. Mais non, mais quelle cruche. Oh, 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 oh. Oh, bah là, ça c'était du tremblement. Hein. En tout cas, elle, ça l'a pas perturbée. Elle y va. Ah, si, ça y est, ça l'a quand même perturbée. Bon, ok, alors c'est très bien. Toi, tu vas aux toilettes. Ensuite, tu iras prendre ta douche. Amandine, continue à faire ce que je t'avais dit. Tu vas dormir. Et du coup, je pense que... Ah bah... Ok, il a préféré carrément aller dans le buisson. Et je pense du coup que on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Je suis très contente d'avoir commencé enfin à poser les premières planches et pouvoir dire qu'ils ont enfin un toit sur la tête. Et pas n'importe quel toit, hein. Un beau toit rond fait de paille. Voilà, je trouve que pour le moment, elle a un petit peu bizarre, et puis je veux qu'elle prenne de la hauteur. Alors, je sais pas trop encore comment on va gérer le truc, mais je vois bien un petit truc comme ça. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait, à activer la petite cloche, et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde !